Ah, Arnaud. Hey, Arnaud. Quelqu'un! À l'aide! Vite! Un honnête homme ne se tiendra jamais de la sorte. Et cracher sur ceux qui sont. Alors.
guillemets. Ce n'est pas normal. Je ne suis intéressée ni par ta bague, ni par ta morale. Les parties qui m'intéressent. Où est-il ? Ah, tant pis. Gentilhomme qui te regarde. Satisfaire, à l'aventure, à la merci des loups. On met la nature doit prendre soin de la. Lâchez donc cette légère. Venez plutôt vous divertir en ma compagnie. Pas l'air d'un honnête citoyen. Tu essaies d'empoisonner mes clients. Pardon ? Ce verre a été coupé au sucre de plomb. Un seul verre et... Je ne sais pas de quoi vous... Ça, ça fait ce métier depuis 30 ans, mon garçon. Je sais reconnaître du vin frelaté. Il y en a pour 50 livres. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi ? Ma foi, tu peux le vendre comme remède contre la virole si ça te chante. Mais je ne rachèterai pas une goutte. Essayez d'empoisonner mes clients. Désolé, monsieur. Je devrais appeler les gendarmes. Je vais le faire enlever dès le retour du chariot. Tu vas empoisonner, et ensuite, du pain avarié ? Pardonnez-moi. Tu meurs, voilà ce que c'est. Je vais le faire enlever dès le retour.
chariot. Estime-toi heureux d'échapper au gibet. Bien, ma fille. Essayez d'empoisonner mes clients, Seigneur. Désolé, cher Malékika. Vaudrait mieux pour toi que ces carreaux brillent quand Monsieur le Pelletier arrivera. Pardon, mademoiselle. Ceci pourrait-il vous convaincre ? Oh oui, monsieur. Rémi, ouvre la fenêtre. Monsieur le Pelletier aimerait qu'on aère son bureau. Mais tu disais que... Fais ce que je te dis. Très bien. Ma foi. Je ne trouve rien de suspect. Qui a eu Jacques ? Très curieux. Thank you.
quelqu'un a tué Rachel. Oh, bon sang. Bon Dieu, c'est l'un des nôtres. Par l'enfer, trouvez-moi le serpent qui a fait ça. Passer ici. Oui, monsieur ? Une bouteille de votre meilleur vin. Ce soir, nous fêtons la mort de la tyrannie. Tout de suite, monsieur. David ? Apporte-moi une bouteille de Château d'If, et vite ! Ils l'ont bastonné sans le moindre motif. Pas normal. Bien, David. Je ne t'avais même pas calculé. Assez cherché, il n'est pas là. Voilà, monsieur. Un Château d'If 74. Un très bon cru, si je peux me permettre. Merci. Oh. Ah. Qu'est-ce que... Papa, qu'est-ce qu'il y a? Souffrez-vous des jambes? Qu'est-ce que c'était? Rien, ma chérie. J'ai l'estomac un peu dérangé, voilà. Va retrouver ta nourrice et dis-lui de te ramener. Je vous rejoins très bientôt. Hein ? Mais où est-il passé ? Lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand, que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je fais,
Je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyen Le Pelletier, à cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote ? L'exécution. Les voix ont été comptées, grand maître. Alors ? Le roi va mourir. Je n'en ai jamais douté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. Il se passe quelque chose là-bas. De quoi peut-il s'agir ? Tu penses me faire peur avec ces deux outres là ? Vraiment ?
vieux me joue des tours. Ce n'est pas trop possible. Pourquoi tu seras là? On dirait que ça s'agite là. M'amener le roi. Tu es sûr que Germain sera là? Oui, j'en suis certain. Alors qu'est-ce qu'on attend? Séparons-nous. On couvrira davantage de terrain. Principe de notre jeune mission.
Égalité, fraternité.
passer si inaperçu. Nous allons chasser Ulysse pour qu'il est inquisiteur. Gardez vos belles paroles, nous ne croyons plus. Quel homme étrange. Si vous cherchez à faire une farce. Bonjour, Arnaud. Monsieur Germain. Ce n'est que justice que tu assistes à la renaissance de l'Ordre des Templiers. Après tout, tu étais là lors de sa conception. Monsieur de la Serre. Non, j'ai tenté de lui ouvrir les yeux. L'Ordre était gagné par la corruption, aveuglé par ses pouvoirs et ses privilèges. Mais vous, vous pouviez le réformer, le remodeler. Il suffisait d'en tuer le chef, c'est ça? Non, la mort de la Serre ne fut que la première étape. Tu assistes à l'aboutissement. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Le roi, rien de plus qu'un symbole. Les symboles inspirent la crainte, et la crainte inspire le contrôle. Mais les hommes finissent toujours par se défaire de leur crainte. Telle est la vérité pour laquelle a péri le monde. Le droit divin des rois n'est rien de moins que le reflet du soleil sur l'or. Lorsque la couronne et la mitre tombent en poussière, ce sont ceux qui contrôlent l'or qui forgent l'avenir. Je dois prendre congé. Profite de cette journée. Tu es là. Belle entrée en scène. Qu'est-ce que tu fais? Rattrape-le! Je refuse de te laisser mourir. Arrêtez-le! Protégez le grand maître! Je vais tous les empoisonner! Ellie, il faut partir! Je m'occupe d'eux! Sois raisonnable. Je ne peux pas en affronter autant. Va, je vais les frapper. Je ne laisserai pas t'en tirer. Ellie, non. Ellie, non. C'est tout ce que tu sais faire.
frappez-le tout sur mes roues. Qu'est-ce que je vais faire? Te tirer dessus ou t'en fous? Sur moi pour me défense. Elle est vide. Il a dû partir à pied. Elise! Il est parti. C'est pas vrai. C'était notre seule chance. Rien n'est perdu. Et confiance, nous retrouverons sa trace. Non, c'est fini. Tu crois qu'il sera négligent maintenant qu'il sait qu'on est sur sa piste? Tu avais une occasion en or de le tuer, et tu as refusé de la saisir. Pour te sauver la vie. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis prête à tout risquer pour tuer Germain. Si tu n'as pas assez de courage pour te venger, alors je me passerai de ton aide. Elise! Elise! Très bonne journée à vous. Oh. Hé hey, c'est à moi. À l'aide. Quelqu'un. Au voleur. Garde. À l'aide. Il est parti. Comment te portes-tu, Arnaud? Mon ami. Que diable s'est-il passé sur la place de la Révolution aujourd'hui? Germain était là. Je connais désormais ses projets. Vous devez... Nous t'avions dit de rester à l'écart de cette enquête. Je sais, mais écoutez... Je sais, mais écoutez? Est-ce là l'estime que tu témoignes à la confrérie? Ton attitude ne me surprend pas. J'avais dit à Mirabeau que seule la vengeance comptait à tes yeux. C'est pour ça que j'ai rejoint la confrérie. Oui. Non parce que tu partageais nos idéaux ou par sens du devoir. Pour te venger. Pour trouver la rédemption. Ne joue pas sur les mots. Tu n'as cessé de désobéir aux ordres du Conseil. Tu as traqué des cibles sans sa permission et foulé au pied le credo à chacun de tes pas. Maître Trenet. À la lumière de ces actes, je n'ai d'autre choix que de demander un vote d'expulsion. Maître Bélier. J'approuve. Qu'est-ce que... Maître Kemar. J'approuve. Arnaud Dorian. Tu n'es plus des nôtres. Ton rang et ton titre te sont retirés et tu es désormais à jamais exclu de la confrérie de Paris. Vous êtes devenu fou. Écoutez-moi, je sais ce que prépare Germain. Je peux l'en empêcher. La décision de ce conseil est sans appel. Tu peux partir maintenant. Thank you.
Non. Ah, où est-elle? Brasserie Garceau. Mais quand? Hier soir? Fiche le camp d'ici! Mais... Dehors! Tu as causé assez d'ennuis pour ce soir! Très bien! Alors dans ce cas, j'irai trouver du vin ailleurs! C'était la nuit dernière. Je l'ai peut-être laissé là-bas. Maudit soit la touche. Mais voilà le meilleur flavier de la ville. Les gens de votre espèce. Laissez-moi passer, Ars.
La touche. Si je te mets ce chien. On dirait que des gens se sont battus. Oh, Seigneur, non, pas toi. Tu n'as pas causé assez de dégâts hier soir. Non, c'est juste que... la montre de mon père, vous ne l'auriez pas vue? Non, je n'ai rien vu. Si tu allais demander à l'un des quatre gars avec qui tu t'es battu. Idiot. Fais attention. Ta place, je ferai pas ça, mon gars. La ferme, le vieux. Toi, oh. Dis-moi où est ton chef. Oh, diable! Non. Reviens ici! Où est-il? Au palais! Ils sont au palais! Merci.